Avant que la vidéo commence, un concours est organisé sur mon Snapchat pour gagner un test de serveur qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube. Donc pour participer, vous avez juste à rejoindre le Snapchat en description. Vous allez être ajouté dans ma story privée et dans cette story privée, vous verrez une story qui parlera justement de ce concours. Vous réagissez à cette story en m'envoyant le serveur dans lequel vous voulez voter en message privé et j'ajouterai un point au serveur à chaque fois. Donc ça veut dire plus il y a de monde, plus le serveur montrera dans le classement et plus il aura de chances de gagner justement ce test de serveur sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, c'est Jackax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour une deuxième découverte. Donc la première découverte d'un serveur avait bien marché. Donc du coup j'ai décidé de refaire une découverte sur un serveur militaire RP. Donc voilà, on n'a jamais fait ça là-dessus, j'ai jamais fait de vidéo sur un serveur militaire RP. Donc c'est l'occasion, il y en a un qui va ouvrir. Et je comptais vraiment faire cette vidéo pour justement le booster car c'est très rare des serveurs militaires. Donc voilà, donc si vous avez vraiment des idées de serveurs inédits que vous voulez lancer, je peux vous aider dans votre projet. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc voilà, je fais ça vraiment sur des serveurs qui sont motivés et qui vont vraiment faire un vrai truc. Donc celui-ci en est un. Donc du coup, je lui laisse sa présentation. C'est lui qui fait sa vidéo. Je vais vous le laisser avec lui. C'est Fizz, si je dis bien son pseudo. Voilà. Sur ce, bon visionnage et bonne vidéo. Salut à tous, voici la première vidéo de la chaîne YouTube du serveur RP, plus précisément dans le domaine militaire. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter la map du serveur où joueront les futurs joueurs. Alors on va commencer, donc là ce sera pas très esthétique vu que je suis en mode éditeur. On va commencer par présenter les véhicules. On a des véhicules de transportation, des véhicules d'ambulance. Donc il y aura un traité histoire de pas tirer sur les ambulanciers de chaque équipe. Parce que maintenant, grâce au nouvel éditeur de GTA, la régénération est impossible sur le jeu. Donc pour le mapping, on a une petite entrée assez basique, vraiment très basique. Pour les véhicules, on a des sortes d'insurgents avec tourelles. Ces véhicules blindés, donc 3 personnes maximum qui peuvent monter là-dedans, il me semble. Donc vers la base, on a accès à l'héliport, on va dire, donc c'est des Valkyries avec canon. On a ici une petite armurerie pour les combattants. Voilà un petit banc, donc dans les casiers on a un lanceur IEM il me semble avec des grenades et du C4. Donc voilà, pour la base de cette équipe est vraiment très petite mais a tout ce qu'il faut. On passe à l'autre base, donc voici la zone de jeu. Donc si vous sortez de la zone de jeu, vous allez mourir au bout de 15 secondes, au bout de 15 secondes de sortie. La zone de guerre se passera potentiellement plus à la, aux places des cubes. Sauf si ça se passe vraiment dans les, aux côtés des quartiers chauds. Donc nous voilà pour la deuxième équipe. Donc, à l'entrée ici, toujours aussi simple. On a une sorte de petite course d'entraînement pour qu'on passe ici, on saute. Voilà, tout simple, histoire de s'occuper un peu dans la base quand il n'y a pas d'action. J'ai créé sur la map une sorte de zone de trafic pour les véhicules. Donc voilà, les véhicules c'est exactement la même chose, juste les camos, les couleurs qui changent. Donc voilà, ça fait vraiment un espace de vie plutôt, plutôt sympa pour les militaires ici. Ici, on a l'infirmerie et la zone de briefing. Voilà, on rentre, on a une petite, un petit endroit pour se soigner. La salle de briefing, la petite vitre, les gradins et un petit support pour les hauts gradés, pour faire les briefings, etc. Une armerie. Donc c'est la même armerie, hein, c'est juste que bah, y a rien qui change. Hein, mais... Les armes sont les mêmes, enfin ce qu'il y a dans les casiers sont exactement les mêmes choses. L'héliport aussi, des Valkyries avec canon, pareil. Donc voilà la présentation de la map qui est vraiment très très simple. Donc voilà, comme je l'ai dit, le serveur est en description. Si vous voulez le rejoindre, il faut des requis assez basiques. Avoir 15 ans minimum ou moins si vous êtes vraiment très bon. Connaître la globalité de Discord ainsi que le monde du RP. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire histoire de nous soutenir un peu. Et bonne soirée à vous. Voilà, la fin de la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la petite découverte vous aura plu. Donc merci à Giz, du coup c'est Giz son pseudo, pour sa participation à cette vidéo et du coup à la création de la vidéo, hein, parce que moi j'ai pas fait grand chose. Et du coup voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de vidéo à créer et à m'envoyer. Pour un serveur bien sûr inédit et vraiment avec un truc voilà, qui change des autres serveurs, hein, il faut vraiment un truc inédit. N'hésitez pas à me contacter sur Discord en privé, il y a le lien en description, j'hésiterai pas à vous répondre
dans les plus brefs délais. Donc voilà, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao. J'ai oublié de vous dire que les deux gagnants de la vidéo Sky Roleplay ont été tirés au sort. Donc bravo à eux deux, ils ont gagné tous les deux un Sky Roleplay Premium. Sur ce, ciao, ciao.